La nuit du 27, la nuit de la moitié ou de la nuit, la moitié du mois de Charben, qui est un mois arabe, qui précède le mois de Ramadan. Donc c'est un mois qui a quand même son côté sacré, et il y a des choses ou des pratiques qui sont effectuées durant la moitié du mois de Charben. On peut jeûner, ce n'est pas une obligation, mais on peut jeûner suivant les préceptes du prophète, paix et salut sur lui, évidemment des prières, des invocations, et en même temps c'est une occasion pour se préparer au mois de Ramadan. Il reste presque 2 semaines avant le mois de Ramadan, qui est un mois ayant une place inédite dans la religion musulmane. C'est un mois béni de jeûne, un mois aussi qui a ses traditions sociales. C'est vrai qu'à la lumière de la pandémie, les rassemblements ne sont pas aussi fréquents et aussi larges, si on peut le dire, comme avant, mais on avait quand même nos aspects sociaux, outre les pratiques religieuses. Donc, pour nous donner plus de précisions concernant et des explications concernant la nuit de la moitié de Charben, nous avons le plaisir d'avoir en ligne professeur Gamal Gadallah, qui est professeur à l'Université de l'Azhar. Docteur Gamal Gadallah, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Bonjour, docteur Kamal. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, si on parle du mérite de la nuit de l'ami Charben, quel est son mérite en islam? Premièrement, le mois de Charben, c'est l'un des mois très très importants parce qu'il précède le mois de Ramadan. Au cours de ce mois, on pourrait se préparer au jeûne, prière surrogatoire. Deuxièmement, en ce qui concerne cette nuit ici, c'est-à-dire la nuit de la moitié du mois de Charben, il s'agit en fait d'une occasion tout à fait particulière dans l'histoire de l'islam. C'est le changement de la direction de la Qibla, parce qu'avant, le prophète se tournait vers la mosquée Aqsa à Jérusalem, Oui. Puis il était ordonné de changer de direction de la Qibla pour la Kaaba à l'honorable Mecque. Donc, c'était pour l'islam une sorte d'évolution et aussi une sorte de preuve, parce que les juifs disaient, lorsque le prophète mit pied à Médine, les juifs ont dit aujourd'hui, ils s'adressent à notre direction de prière, c'est-à-dire à Jérusalem, Oui. et demain ils vont suivre notre confession, bien notre religion. Donc, c'est pourquoi Allah, gloire à lui, contempler et observer son prophète, parce que son prophète, son regard était attaché toujours au ciel, il invoquait incessamment son Seigneur de lui ordonner de changer de direction vers la Kaaba. C'est dans ce cadre qu'Allah dit قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينا قبلة ترضاها, c'est-à-dire nous allons vous accorder cette qibla que vous tawallez وجه شطر المسجد الحرام. Tournez-vous le visage vers la mosquée sacrée à la Mecque. Oui. Donc, elle était une preuve pour le croyant, le vrai croyant, pour distinguer, ou bien, si vous voulez, cribler le vrai croyant des hypocrites. Les vrais croyants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, si Allah nous a ordonné de faire cela, alors donc, c'est un ordre divin, c'est toujours à obéir, alors que les hypocrites, ils ont dit, quelle hésitation, ou bien, pourquoi on essaye entre deux de direction des prières, donc ce n'est pas de la religion, mais c'est quelque chose d'absurde, si vous voulez. Donc c'était une nuit bénie, c'est pourquoi dans laquelle les invocations, Inch'Allah, seront exaucées par Allah, parce qu'il s'agit d'un événement qui était tout à fait trajectoire dans l'histoire de l'islam. Docteur Kamal Gadallah, quelles sont les pratiques à faire durant cette nuit? Pour les pratiques, premièrement, on pourrait observer le jeûne d'une façon surrogatoire. Et je vous dis pourquoi. Premièrement, parce qu'il s'agit d'un mois béni. Deuxièmement, parce que à partir de la première nuit, de la deuxième moitié du mois de Chaban, il est préférable de ne plus observer le jeûne. Parce que le prophète, dans la deuxième moitié de Chaban, n'observait pas le jeûne. On pourrait manger, on pourrait se préparer au jeûne du mois de Ramadan. Donc, c'est presque la dernière occasion de faire un jeûne surrogatoire avant le mois de Ramadan. Oui. Docteur Kamal également. Préférable. Allez-y.
les invocations sont préférables, oui. Parce que en fait, elles seront égales à Allah, dans une nuit tout à fait bénie, et en fait, on pourrait faire aussi de prières surrogatoires, en plus le jeûne, l'observation de jeûne dans la journée. Oui. Quels sont les travaux préférables pour un musulman au cours de cette nuit et certainement le jour suivant? Si on parle par exemple d'aumône, on parle de prière et d'invocation. Oui, vous avez toute l'occasion, toute la chance de vous préparer au mois de Ramadan, par exemple les charités, les invocations, les prières surrogatoires, la récitation de Coran, parce qu'il ne faut pas restreindre la récitation de Coran au mois de Ramadan, il faut réciter le Coran avant, pour qu'on aille une relation de plus en plus étroite avec votre Seigneur, et pour s'engager davantage aux pratiques de l'islam, aux instructions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était toujours à l'affût de l'approche du mois de Ramadan, par nos parents, interrogatoires, et aussi en donnant des charités, en faisant des actes charitables et caritatives à tous les pauvres et les indigents. Donc, il faut évoquer cette atmosphère bénie de ce mois sacré pour qu'on soit très bien préparé au mois de Ramadan. L'approche du mois de Ramadan, il ne s'agit pas de pire avec le passé, mais il s'agit de soit des préparations graduelles par se débarrassant de tout ce qui est vicieux et aussi se préparant à tout ce qui est bien et bénéfique. Docteur Kamal Gadallah, à la lumière de la propagation de la pandémie, les prières ne vont pas se tenir comme d'habitude, que ce soit la prière de la nuit, la prière Tarawih, ou que ce soit la prière del Tahajjud à minuit et autres. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour garder cet esprit, étant donné qu'ils n'ont pas le luxe, si on peut le dire, de prier en groupe, même au sein d'une même famille? Malheureusement, en fait, on croit que les prières surrogatoires sont restreintes au mois de Ramadan sous la forme de prières de Tarawih. Mais en fait, en ce qui concerne ce qu'on appelle Qiyam al-Layl, la prière de la nuit, la prière de la veille, c'est quelque chose de surrogatoire dans toute l'année. Donc, on dit que Qiyam al-Layl, je parle de mot, mais c'est l'honneur du croyant. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi faire un espace au mois de Ramadan, on pourrait faire les prières surrogatoires dans cette nuit-ci et aussi dans d'autres nuits. Et en cas d'être en situation difficile de laquelle vous voulez sortir, par exemple, il y a un problème, vous voulez une solution qui est surhumaine, c'est-à-dire quelque chose de difficile. Donc, dans n'importe quelle occasion, même au mot de malheur, de tristesse, on est affligé par n'importe quelle chose, et on a un souhait qu'on veut qu'Allah réalise. Par exemple, on pourrait faire recours à la prière surrogatoire de la nuit. Donc, ce n'est pas seulement le mois de Ramadan, mais c'est tout au long de l'année, de temps en temps, par exemple, chaque semaine, nuit de vendredi, peut-être. Donc, on pourrait faire une sorte de ce qu'on appelle wird. Wird, c'est-à-dire quelque chose d'habituel, des récitations de Coran, de prière surrogatoire, de temps en temps. Donc, comme ça, on pourrait régulièrement s'approcher de plus en plus à notre Seigneur. Oui. Également, Dr Kamal, si on parle du jeûne et du comportement du musulman au cours du jeûne, par exemple, plein de gens croient qu'en jeûnant, par exemple, ils peuvent gronder quiconque, être à leur aise. Alors, si vous pouvez nous élucider là-dessus. Oui, donc le jeûne, c'est ce qu'on appelle le moralité de jeûne. C'est vrai que le jeûne, donc, doit être une moralité particulière et distinguée, parce que ce n'est pas raisonnable, par exemple, qu'on observe le jeûne de ne pas boire, ni manger, ni rien du tout. Mais en même temps, par exemple, on fait de la calomnie, de la médisance et tout, oui. Ou bien de nuire aux autres. Donc le jeûne, c'est la leçon principale du jeûne, c'est une leçon tout à fait spirituelle. Donc, on pourrait se préparer au jeûne par avoir les moralités de celui qui jeûne.
celui qui observe le jeûne. Donc, c'est aussi pour être à la hauteur au cours du mois de Ramadan. Parce que, par exemple, c'est pas vrai, c'est pas une sorte de maladresse, on dit que pourquoi elle est énervée, pourquoi elle est mise en colère, parce qu'elle observe le jeûne. L'observation de jeûne, c'est un prétexte, par exemple, pour se mettre en colère, mais ce n'est pas le cas. Le jeûne, c'est une éducation spirituelle. Allah nous freine les instants, le penchant naturel, comme par exemple le manger, le boire, et aussi la voie de relations charnelles, pour nous enseigner comment être patient, comment être persévérant, et comment garder aussi, par exemple, la bonne conduite, et comment garder toujours le sang-froid vis-à-vis des situations difficiles de la vie. Donc, si un jeûne surrogatoirement, c'est-à-dire quelques jours avant le mois de Ramadan, ça sera pour nous une sorte de formation tout à fait solide et tout à fait ferme pour le jeûne du mois de Ramadan. Docteur Kamal Gadal, il y a une question qui se pose chaque année. Il y a des gens qui ne sont pas malades, qui n'ont pas vraiment d'inconvénients ou de raisons médicales claires, mais qui éprouvent beaucoup de fatigue de par la nature de leur activité quotidienne ou de leur travail, des migraines, des chutes de tension et autres. Donc, ce n'est pas une maladie, mais ils éprouvent beaucoup de difficultés à faire le jeûne d'une manière constante durant les 30 jours. Est-ce qu'ils ont le droit d'interrompre le jeûne? Oui, on a le droit d'interrompre le jeûne pendant le jour où on est malade, vous avez raison, où on est en voyage, par exemple, si on est en voyage. Non, mais ils ne sont pas malades, mais c'est là où, docteur Kamal Gadalla, c'est là où réside ma question. Médicalement parlant, ils ne sont pas malades, ils n'ont pas de maladie, mais c'est un état général, c'est l'état général de leur corps, ils n'ont pas la capacité de le faire. Ils ont des migraines atroces, des chutes de tension et autres, ils n'arrivent pas à se concentrer. Bon, en fait, il faut connaître avant tout que cette relation entre le serviteur et son seigneur, c'est quelque chose de très sublime et de très raffiné. Donc, on ne pourrait pas faire de tromperie en matière de notre relation avec Allah. C'est pourquoi le prophète, il a dit, lui qui lui a posé une question concernant la bonté et le vice, al-birr wa al-ism, il lui a dit que c'est-à-dire interroge-toi ton cœur, même si les autres vous donnent des fatwas, par exemple, vous autorisant de faire ou pas faire quelque chose, mais au fond, vous n'êtes pas tout à fait bien tranquillisé et rassuré vis-à-vis de cette conduite, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, il faut connaître qu'il s'agit d'un contrôle, autocontrôle sur cette relation qui relie le Seigneur, le serviteur à son Seigneur, et à sa religion, à sa croyance et à sa fidélité vis-à-vis d'Allah. Parfait. Docteur Kamal Gadalla, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'Université Al-Azhar. Et au terme de cette édition, chers téléspectateurs, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Maha. Merci Sam, merci à tous pour votre attention. Reste à vous souhaiter un excellent mois de Ramadan, de bons préparatifs et à la prochaine.